Europe 1. 10h13, Culture Média, la suite sur Europe 1 ce matin. Thomas Hill, vous recevez la chanteuse et musicienne Anne Silla. Anne Silla qui sera les 1er et 2 mars prochains à la scène musicale pour Céline Symphonique. On l'entend vous partager l'affiche avec Vincent Niclot, oui. Qui chante aussi. Et puis il y a des invités aussi. Il y aura Chimène Badi, il y aura Adeline Toniotti et il y aura Victoria Petrosio qui avait fait la voix de Céline dans le film de Valérie Le Mercier. Daline, qui a une voix incroyable aussi. Et alors donc on fêtera l'an prochain les 30 ans de l'album phare de Céline Dion, 2, écrit, composé par Jean-Jacques Goldman, l'album francophone le plus vendu dans le monde. Cet anniversaire, c'est un peu le point de départ de la création de ce spectacle. C'est le point de départ de la création, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés tous en réunion à se dire, bon, on fait vraiment un hommage à l'album 2, parce qu'il a 30 ans, et puis en fait, il y a des chansons qui sont tellement incontournables et qui n'ont rien à voir avec cet album, qu'on a fini par ouvrir totalement en disant, bon, on fait nos chansons préférées. Donc le show dure 7h30. En vrai, voilà. Ça va durer combien de temps? Je sais pas, franchement, sais pas. Préparer un lunch, quoi, un petit truc. Ah oui, d'accord, il faut une petite boîte, un petit encas, mais c'est vrai que les chansons de Céline Dion, elles sont grandioses, mais alors avec un orchestre symphonique, leur donner encore une autre dimension. Oui, puis ça leur donne une dimension à laquelle on ne s'attendait pas, en fait, parce que c'est vraiment les personnes qui ont arrangé l'ont fait vraiment de manière, pour le coup, orchestre classique, quoi. Donc en fait, on a des nouvelles harmonies dessous, il y a des nouvelles manières d'approcher un peu les rythmes, les accords et tout ça, et c'est franchement, c'est... Et puis vous, j'imagine que vous permettez de prendre des petites libertés, comme vous le faisiez aussi dans The Voice. Oui, alors il faut faire attention, parce que là, on est avec un orchestre symphonique, donc on ne peut pas trop faire de bêtises, mais évidemment, j'en fais quand même. Vous les adaptez un peu à votre manière. Mon style. C'est quoi la première chanson, vous, de Céline Dion, que vous avez chantée, qui vous a marqué? La toute première chanson que j'ai chantée, alors je pense que ça doit quand même être Pour que tu m'aimes encore, à moins que ce soit d'amour ou d'amitié. Ah oui. Peut-être que c'était d'amour ou d'amitié. Elle représentait quoi pour vous, Céline Dion, quand vous étiez Ah, mais c'était petite. Vraiment... c'était vraiment l'école, quoi. C'est-à-dire que j'apprenais toutes les inflexions, tous les trucs par cœur, les millièmes de secondes. Toute la façon dont elle avait de chanter chaque mot, je l'apprenais, et puis je le répétais 15 fois, quoi. C'est ça. Donc voilà, la dernière fois, je disais... Oui, c'est « Des marabouts d'Afrique, des marabouts d'Afrique, des marabouts d'Afrique. » M'attirer sans valeur, c'est ça la suite. Et les parents sont hyper contents, quoi. Ah oui, ça doit les parents se disent « Oh, putain. » Mais ça marche, c'est une très bonne, une très bonne école. Bosser, vous l'avez jamais vu en concert, il paraît. Non, parce que j'ai trop peur, je suis trop fan. Pourquoi? Je suis vraiment fan, moi je fais partie des fans, mais à l'inverse, quoi. Au lieu de lui sauter dessus, je peux pas l'avoir. Vous restez à distance. Ouais, je sais pas, j'ai bon, en même temps, je pense que c'est pas vrai, mais j'avais peur d'être déçue. Parce que je l'estime tellement, je sais pas, je garde ça, c'est mon petit... je la chante en concert, mais je ne vais pas la voir en concert. C'est incroyable. Bon, alors vous allez pouvoir aller vous mettre en place, Anne, pour nous offrir donc un tout premier titre en live. Alors c'est une chanson tirée de l'album Dion chante Plamondon, un album qui date de 1991. Oui, enlevez votre casque. Ouais. Non, il ne faut pas que j'enlève. Ah oui, d'accord, il ne faut pas le perdre. Ça s'appelle L'amour existe encore, et c'est donc Anne Silla qui vous chante ce titre ce matin, rien que pour vous, sur Europe 1. Anne Silla. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Toutes mes années de déroute, toutes, je les donnerai toutes pour m'ancrer à ton port. La solitude que je redoute, qui me guette au bout de ma route, je la mettrai dehors. Je m'endors.
ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Au bout du compte, on s'en fout d'avoir raison ou tort. Le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous. Nous aimer plus fort, au-delà de la violence, au-delà. Une petite claque là. C'est exceptionnel ce que vous venez de faire, Anne-Sylla. Franchement, moi je veux savoir quel est votre dealer de miel. Parce que faire ça à 10h20 comme ça à froid, c'est exceptionnel. Bravo. Et puis merci à tout l'orchestre symphonique qui était là. Merci à Fabien qui fait le son aussi, qui m'a fait faire la balance. Je le remercie parce que c'est grâce à lui qu'on peut être aussi à l'aise comme ça à 10h du matin. C'est très, très. Et alors j'ai hâte de vous entendre dans le prochain titre, je dis pas lequel c'est tout à l'heure. Ah là, ça va être une petite blague, là, on va rigoler. Là, c'est la première fois que je vais le tenter, on va bien se marrer. Mais bon, tiré de l'album 2, mais je sais que ça va bien se passer. Et allez voir Anne-Sylla sur scène parce que c'est un spectacle dingue. Céline Symphonique, les premiers, et de mars prochain à la scène musicale.